Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Heroic numéro 38 et on va parler de création de personnages. Voilà. Alors, comment je crée un personnage, autant un PNJ qu'un joueur? Je pense que j'en ai parlé dans le RPG Heroic numéro 33. J'expliquais comment je crée un personnage. Donc, je vous invite à retourner au RPG Heroic numéro 33. Mais en fait, l'information que je vais te donner là, elle sera complémentaire. Et elle donnera quand même une piste à certains joueurs, à certains MJ, mais aussi, il faut que je voulais mettre en avant un certain point concernant la création de personnages, mais aussi le développement. Je voulais dire qu'il y a une différence entre le savoir du joueur et le savoir du personnage. Ça a l'air qu'on dit comme ça, et ça a l'air évident dans la tête de certaines personnes. Mais comme d'habitude, ce qui paraît évident dans l'application ne se fait pas généralement. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a un moyen de contre-immersion massif qui est parfois utilisé par des joueurs. C'est le problème de la mémoire et le problème du savoir du personnage. Déjà, pour la mémoire, ça va être assez rapide. Ça arrive que lors d'une campagne, un personnage de joueur meurt et il finit par rejoindre un personnage. Mais il y a un petit truc qui finit par casser l'immersion. Un moyen de destruction d'immersion massif, c'est que le personnage, plutôt le joueur, agit comme si le nouveau personnage connaissait les autres joueurs par cœur. Même si c'était une connaissance, je pense que c'est un véritable problème. Parce que les aventures qui se sont passées, la franche camaraderie, tout ça, il y a une différence quand vous avancez dans une campagne en tant que compagnie et que vous avez des connaissances à droite, à gauche. Ça, c'est un truc qui est assez gentil, donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est un point de contre-immersion. Le deuxième point de contre-immersion, c'est la différence entre le savoir du joueur et le personnage et sa mise en application. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. Plutôt deux. Pour être gentil, je vais distribuer, au lieu de distribuer un fion, je vais en distribuer deux. Voilà. Donc, déjà, le principe des couteaux gamma. Cherchez sur Wikipédia qu'est-ce que c'est le principe des couteaux gamma. Voilà. Donc, lors d'une campagne, une campagne que j'appelle l'âge d'or, lors d'une campagne, ce qui s'est passé, c'est que mon personnage a quand même de bonnes connaissances. Elle a décidé de communiquer une stratégie d'action pour combattre un ennemi massif. Et ce principe, c'était le principe des couteaux gamma. En gros, pour vous expliquer le truc, c'est quand vous frappez un truc à plusieurs points différents, le point de convergence des plusieurs points touchés en même temps finit par créer une rupture et des dégâts justement à ce même point. J'ai présenté ce principe-là une fois parce que mon personnage le connaissait. Après, des tas de personnages en mode d'inspiration, quand je dis personnage, je voulais dire joueur, me l'ont sorti à toutes les sauces. Et ce qui s'est passé, c'est un truc assez étrange, mais c'était le seul principe physique que j'ai proscrit en recherche à ma table. Parce que les gens en abusaient. Voilà. Donc, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? C'est parce que il y a aussi un truc que j'ai remarqué dans les savoirs et les débordements de savoir, c'est-à-dire que le joueur essaie de balancer des principes ou des choses qu'il a vues dans des précédentes campagnes. La plupart du temps, les joueurs qui font ça, c'est des joueurs qui n'ont pas grand-chose de plus à proposer. Et c'est quand même triste, surtout quand ils te font le double langage du « je veux essayer d'améliorer et de progresser la construction de mon personnage ». L'autre principe étant évidemment les armes dansantes, les armes animées et qui finissent par bouger. Jusqu'à présent, personne ne connaissait spécialement ça. Je crois que depuis que j'ai expliqué le principe, il est présent à toutes les tables. Il était présent à toutes les campagnes du monde. Et justement, ça me montre un petit truc. Je voulais surtout traiter de ce principe du savoir des joueurs et des personnages. Ou j'aurais pu aussi utiliser l'exemple du « Ah, tu connais, le joueur connaît exactement le maximum de points de vie que pourrait avoir une créature parce qu'il a lu dans son livre des règles que parfois le maître de jeu interdit de lire. »
Je mets en avant toutes ces choses-là parce que je voulais juste apporter un point essentiel. Je pense qu'il faut proscrire certaines répercussions. C'est pas proscrire le mot. Faut sanctionner, excusez-moi. Il faut sanctionner les joueurs qui font ça, qui ne fassent pas la différence entre les joueurs et les personnages. Par exemple, quand un joueur agit en plus ou moins donne un conseil à un autre personnage joueur alors que son personnage est inconscient. Normalement, je dis l'action qui vient de t'être dite, tu n'as pas le droit de le faire. Peu importe si le gars avait la même idée en tête. Je pense que ce genre de sanction, il se doit d'être là parce que, au bout d'un moment, c'est une faille que je vois chez certains personnages, pas forcément ceux de ma table, c'est que on est d'accord qu'on met toujours un peu de soi dans un personnage. Mais qu'on a l'impression de jouer un même personnage, qu'un joueur joue le même personnage. Par exemple, on me lance souvent cet exemple. Après, je n'ai pas vu assez de films de Will Smith pour pouvoir prétendre ça. Mais on va dire le principe de Will Smith, c'est-à-dire du Will Smith qui fait que du Will Smith, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable à une table. Il faut parfois permettre aux joueurs de mettre en avant aux joueurs certaines failles et de les mettre en avant. Parce que faire ce genre d'entorse, c'est-à-dire conseiller des joueurs alors que son personnage est inconscient, révéler quelque chose d'une campagne précédente qui était d'un niveau d'importance majeure, utiliser des principes que justement on ne connaissait pas avant, ou bien les jambranlettes. Alors je suis désolé, quand je dis jambranlette, je vais pas référence au personnage de Jean. Hein. Le personnage de Jean n'a jamais fait ce genre d'erreur. Mais le fait que par exemple, les gens, il y a des joueurs qui disent « Ah là là, je veux faire un truc intéressant, un truc génial. » Ils vont sur Wikipédia, ils vont chercher un principe physique. Leur personnage, ils ont 5 d'intelligence. Et les gars te disent « Ah non, mais oui, c'est un principe physique, j'ai vu sur Internet. » Et puis, ils te rapportent l'information telle quelle. Leur personnage n'a été ni en contact avec l'information, ni avec le principe. Il n'a jamais été explicité. What the fuck? On est d'accord. Donc, du coup, je pense que sanctionner les écarts de savoir entre le joueur et le personnage est assez important. Ça arrive très rarement qu'un personnage soit sanctionné. Excusez-moi si ça fait du bruit. Voilà. C'est très rarement sanctionné dans un jeu directement que un personnage, enfin un joueur ait fait une erreur et que justement ça brise l'immersion et que son personnage n'est pas censé avoir cette information. Mais, par exemple, dans le premier JDR que je fais, il n'y avait pas spécifiquement de sanctions. La sanction qu'il y avait, c'est vous avez un ensemble de traits de traits comportementaux. Si vous ne les respectez pas ou vous allez à l'opposé, vous avez un malus de gain en fin de partie. Quand quelqu'un me fait cette erreur-là, je lui enlève tous les points qui étaient destinés à son personnage et qui étaient sur le plan personnel. Puisqu'il y a les points qui sont donnés à la fin de la partie et aussi les points supplémentaires accordés par l'interprétation du roleplay. De l'interprétation du personnage. On s'en fout que ce soit la troisième ou la première personne. Le principe, c'est récompenser un joueur qui est vraiment resté dans l'esthétique du personnage. Et d'ailleurs, ça m'a fait mourir de rire parce que mais il y a certains de mes joueurs qui ont décidé d'interpréter des personnages. Ils prennent tout le temps les mêmes traits, c'est-à-dire oui, protecteur, bienveillant, gentil, pragmatique, machin, chaud de mes couilles. Mais au début, je rageais par rapport à ça, parce que ça aussi c'est un rapport à l'interprétation du personnage. Mais après, ce qui a fini par se passer, c'est que j'ai laissé glisser, parce que je me suis rendu compte qu'il faut de tout pour faire un monde, et que ça me motive plus à interpréter des personnages avec des natures différentes, et qui justement, en fonction des personnalités, vont traiter les gens différemment. Voilà. Donc j'avais envie de parler de tout ça qui tournait de la sphère finalement du personnage. Du personnage joueur, mais pour le personnage non joueur, j'ai vu une vidéo qui date d'il y a un an d'Atomic Fusion qui parlait justement du fait qu'il y a des joueurs qui titillent des PNJ et que parce que le PNJ pourrait savoir le lieu d'un endroit secret, c'est-à-dire, moi j'appelle ça finalement le fantôme du scénario. Je suis sûr que ce principe il existe en plus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont écrit, oui, le fantôme du scénario. C'est-à-dire que le fantôme du scénario, ou le fantôme du scénarium, si vous voulez, c'est que peu importe ce qui se passe, que la personne soit un clodo, une pute, ou un personnage de un haut dignitaire, si
un joueur harcèle assez les PNJ pour pouvoir avoir une information, un MJ pourrait céder et donner l'information alors qu'il n'était pas censé l'avoir. Malheureusement, on ne peut pas sanctionner les maîtres de jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'avais envie de rappeler ce petit point aussi au maître de jeu. Messieurs, vous avez un scénario. Vous êtes d'accord. Ça, c'est un truc qui est souvent, que j'ai entendu il y a des années de ça, vraiment quand j'ai débuté le jeu de rôle, qui disait: sachez que 60% de ce que vous écrivez dans un scénario de JDR peut tomber à la poubelle, ou va tomber à la poubelle. Et je suis assez d'accord, c'est pour ça que j'écris des scénarios assez dans un cadre assez simplifié. Une fois que tout ceci a été dit, vous devez vous rendre compte que il y a quand même une base logique, une base cohérente dans ce que vous avez envie de faire. Et un joueur qui est des joueurs qui sont à l'usure, qui essaient de vous avoir à l'usure pour avoir une information, ou qui foutent la merde dans nos scénarios, il y a une alternative. C'est tout simplement sanctionner les joueurs, mais pas les sanctionner en dehors de la table, mais les sanctionner à la table. Imaginez, vous avez le poissonnier qui normalement ne sait rien, et eh ben, il peut tout simplement donner une fausse information et guider les joueurs sur une fausse piste. Ou tout simplement appeler la garde parce que vous finissez par le harceler et jeter les personnages en prison. J'avais envie de revenir sur ce point parce que les entorses, il n'y a pas que les joueurs qui le font, mais les MJ aussi. Sauf que les joueurs, pourquoi il vaut mieux les sanctionner? C'est parce que souvent, les gens qui font ce genre d'entorses sont les gens qui n'investissent pas plus que ça dans leur interprétation de personnage. Et les MJ, eux, c'est par facilité parce que les joueurs les saoulent. Parce qu'ils ne font pas les bonnes actions pour ça. Le fantôme du scénario, il peut exister s'il a une fonction pratique qui est autre que la facilité. Au contraire, même, je pense que le fantôme du scénario, le but n'est pas nécessairement de faciliter la tâche au personnage. Par exemple, une application du fantôme du scénario, ça serait quoi? C'est que il y a un personnage qui va avoir une information, il harcèle le personnage. Le personnage, ben, il donne une fausse piste, le gars va sur une fausse piste. Le personnage revient vers l'autre personnage qu'il a tenté d'harceler. Et à ce moment-là, si ils sont dans un scénario de conspiration, les joueurs deviennent potentiels suspects. Et vous avez modifié le scénario parce qu'ils se sont heurtés à un mur. Au lieu de faire demi-tour, ils n'ont pas fait demi-tour. Donc les murs latéraux se sont resserrés sur eux. C'est une facilité de scénario. Enfin, pas une facilité de scénario, c'est pas le mot. C'est une transition de scénario assez efficace pour éviter ce que j'appelle la fatigue de l'échéance du scénario. C'est-à-dire que le scénario, des fois, ça peut être contre la montre ou pas, mais il y a un point, on va dire, un pic d'attention de personnages quant à leurs ambitions, jusqu'au moment où ils n'avancent plus trop et ils commencent à fatiguer. Au moment où ça arrive à un point culminant, vous appliquez ça et ça règle le problème. Donc j'ai donné quand même des explications et des choses qui n'ont rien à voir avec comment créer un personnage parce que je l'avais déjà fait. Donc on va dire que ce numéro 38, eh ben, c'était un petit bonus. J'avais envie de raconter ça. Donc j'espère que ça vous a plu, même si c'est parti un petit peu à côté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà cédé? Moi je dis que moi j'ai déjà cédé une fois, j'en ai parlé, par rapport à avoir avancé un indice. Mais je le ferai plus. Et c'était à mes tout débuts, c'était ma toute première partie dans une tablée. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour pouvoir me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, par exemple, un personnage qui a fait une entorse, enfin un joueur qui a fait une entorse, ben, est-ce que vous pensez vraiment, c'est une question que je vous pose, est-ce que si vous avez déjà fait une entorse, est-ce que vous pensez que ça a aidé le scénario? Ou ça l'a précipité dans une contre-immersion. Parce que il est bien quand même de répondre, ou il faut quand même laisser la parole aux gens qui ont fait l'erreur,
pour vraiment comprendre l'ampleur de toute cette chose. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.